Salut les amis, c'est Daronic et bienvenue pour l'épisode 2 de Craven Manoir. Aujourd'hui, on va continuer. Je me suis fait dire que la clé ici, on fallait la ramasser comme ça. Fallait pas la ramasser de façon qu'elle était dans mode construction. Mais je vais la laisser là parce que je comprends pas quoi faire avec. Rappelez-vous, on avait posé la troisième salle qu'on a trouvée. On a fait la cave à vin. Ouais, la cave à vin. Et on avait fait aussi la chambre à coucher. Maintenant, c'est... j'ai déjà fait ça. Merde. Ah. J'ai peut-être pas posé la salle que j'ai trouvée. On va suivre le vent. On va regarder où que le vent nous amène. Mais je crois avoir déjà fait cette scène. Qu'ai-je oublié? Le petit avec l'éclairage qui doit éclairer. Du sang, la porte ferme, le coffre qui rouvre. Oh, merde, je refais ce que j'ai déjà fait. Excusez-moi les amis, on va être obligé de tout recommencer. Le cadavre qui se fait drainer. Dès que j'approche. Je vais prendre le temps de lire tous les messages. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de la dernière vidéo. Oh, ok, là ça apparaît, puis il tombe. Merci. Même si les coups de père m'étaient portés sans retenue, je détestais encore plus les mensonges que mère incessante de mère. Les voir mourir était comme une révélation. Il y a une beauté dans ma mort que je n'ai jamais oubliée depuis. Oh merde, le fils était un psychopathe mongol. Un article de presse décrivant la diminution significative du nombre de sans-abri et de... Le chef de police attribue le mérite de cette purge de la Peu importe. La porte va se fermer, il va faire noir, on va se faire violer par un clown. Le monstre est là. Il faut tirer sur la corde. Regardez, il est où? Il est parti. Poussez ça. Excusez-moi encore, il faut refaire la scène. La lumière s'éteint, ça me fait chier. La nature des limbes s'est réveillée... Non. S'est révélée à moi. C'est un réceptacle dans un état d'exercice... Non, d'existence dans laquelle l'esprit... Là, je vois rien cause de mon journal. Qui peut être contenu. Ah ouais. Je vais pas lire tout ça quand même, c'est... Ok. Mes premiers succès furent brefs mais fortifiants. Après le rituel maléficarum, les grands des esprits, pendant quelques secondes, ils diffusèrent une lueur visible. Je ne veux pas comprendre, car peu importe. Mon homme, il piche vraiment tous les objets qu'il tient à ses mains dès que je rouvre une porte. J'ai remarqué que c'est le même signe de porte que dans Amnesia, ou presque. Pour une fois, on va essayer de faire changer, de faire un changement de salle. Bon, je lui bolle un peu pour placer le territoire. Bon. Fait que si je comprends bien, il faut aller par en haut. Faut aller par là. Si je comprends bien, il y a deux étages, parce que des fois, quand on va mettre des choses en bas, on va pouvoir monter, puis des choses, quand on les met en haut, on va pouvoir descendre à certaines salles. Je vais le mettre en haut, parce que j'en tentais pas de déplacer l'autre pour mettre lui. Je suis un gros lâche, les amis, c'est fait, je l'ai dit. Merde, j'ai peur. Les lampes vont casser, c'est sûr. C'est quoi ça? Il doit avoir un succès à activer toutes les ordres de trésor. Toi, tu m'auras pas, man. Toi, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Bon. J'ai regardé une vidéo de What the Cut. Puis, j'ai remarqué... Oh, merde. Shit. J'ai remarqué de quoi? Les... What the Cut est sûrement un terroriste qui
Ok, laissez-moi finir ma phrase. What the Cut est sûrement un terroriste. Un terroriste qui pense que en faisant des fans, il va pouvoir se faire écouter sa cause. Bon, je vais dire pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que What the Cut, vous savez, le diminutif WTC. Si on prend ces lettres-là, on peut faire plusieurs mots. Mais le mot que j'ai deviné était World Trade Center. Non, que je dis de la merde. Mais ce serait quand même logique. Je viens qu'une supposition. J'aimerais vraiment que Antoine Daniel l'entende. Fait que, s'il vous plaît, faites-lui savoir que j'ai dit ça dans une de mes vidéos. C'est vraiment, vraiment drôle. Puis il va peut-être pouvoir nous faire une coupelle de blagues avec ça. De blagues très rigolo. Le certificat de naissance de William Craven, né en 1857 de Jacqueline et de Lord George Craven de Duplefort Pass, Virginie. Dans le fond, le méchant, c'est le méchant, le psychopathe qui a tué ses parents, c'est William Craven, fils de Jacqueline et de Lord, simplement George Craven. Je l'ai passé quand je vois rien, j'attends la pluie puis je panique en ce moment. Il y a trop de choses, il y a trop de... Je panique là. Ah oui, 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 qu'est-ce qui se passe? Okay. Mon problème, il bouge trop lent. Ok, panique pas. Ok. Oh non, non. Panique pas. Bon, le méchant peut pas rien faire parce que ce serait con qu'il fasse de quoi. Je pense que je te vois pas, hein, bro. Mais je te vois parfaitement. Bon, faut que j'aille où que l'ennemi est. Ben oui, bravo, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. Attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne comprends tellement rien. Je comprends pas, tout ça passe trop vite. Okay, on va retourner là-bas. Premièrement. Le stress qui me fait que je réfléchis pas, mais c'est un jeu qu'il faut réfléchir. Tu prends de quoi puis lancer dessus? Faut-tu... Fais un clic droit, c'est toujours pour lancer un objet. Mais là! Je le lance, ça fait rien! De quoi être plus solide. Ah, ben oui, lancer un objet dans le baril pour qu'il soit plus lourd. On va lancer des petits barils dans le baril. C'est quasiment rendu un walkthrough en affaire, c'est même plus un let's play. On fait du Zelda. Tu vas-tu le prendre? C'est le moment nul de la vidéo que Dominique a fait de tirer dedans. J'ai réussi, mais à peine. Ah, t'as disparu, ma petite Jacqueline. Je trouve d'autres objets. Ah, les livres. Les bouquins. Vous voyez les enfants? Les livres, c'est important. Ah, j'ai réussi. Le bruit que ça le fait est très lourd. C'est vraiment drôle. Bon, je regarde encore. Quel jeu. Ça me laissait aussi le temps de réfléchir. Pas trop peur, pas trop là le méchant, pas trop méchant. Pas trop méchant, le méchant. Oh, what the fuck? What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the cut? À la vitesse, juste hors de portée, il y a une fenêtre qui de... Une fenêtre brisée dans le fond qui mène à l'extérieur. C'est pour ça que j'entends des bruits de merde. Continue à avancer. Je déteste quand il ferme la lumière. Excusez-moi si je gueule.
god, là, c'est où que je sors, là? Merde, 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 merde. Si je tourne en rond. L'ambiance est merdique. Je peux pas reculer. L'ambiance est merdique. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Oh non, fallait juste pousser ça. Oh merde. L'ambiance est merdique. C'est encore fermé à clé. What the fuck? Ah, ok. Ça aussi c'est fermé à clé. Je crois qu'il faut que j'y retourne, mais avec la clé. Bon, moi je sais qu'il faut que j'aille ici. On va chercher la clé. Oh, j'ai couru à peine pour descendre les marches. Ton bonhomme il est essoufflé. Je déteste les jeux comme ça, mais tellement. Si je lâche le fiton. Oh mais non, je peux continuer. Ok, ok, ok. Il y a un lampadaire croche. Faut que je me rappelle que c'est un énigme. Au cas où que c'est un énigme. Parce que ça n'est pas un, j'ai cherché. J'ai dit ça pour rien. C'est juste que tout à l'heure le manoir a fait un tremblement de terre gigantesque. C'est ça. C'est pas ça. La porte sert à ce pas en tout. Alors je vais la remettre sur la stèle. Excusez-moi les amis, je fais des courses pour rien. Il faut que je remonte à l'étage pour trouver la solution. Je vais déposer juste ici. Tiens, bam, méchant de clé. Je vais remonter à l'étage. J'ai manqué un chemin sûrement. Attends, il y a une note. Ah, je l'ai déjà lu, c'est la note qui parle de... Non, là, c'est une inscription. Moi, je suis allé. Ok, peu importe. Bon, on va remonter en haut. J'ai comme pas trouvé la solution. La vidéo commence à être longue. J'espère finir cette salle avant... Soit... tard. Ben. Il est juste là. Il est carrément juste manqué. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je te hais, tu dégages. Tu dégages. Je te regarde, hein. Tu... Aime-toi, Doom. What the cut est avec toi. Ah ouais, tu vires les coins, grosse salope. Elle a acheté vu bouger. Non, là, tu hack, là, mon petit pépère, là. Wow, 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 il passe à travers des murs, là. Je l'ai vu bouger, il triche. Le gars... Moi qui dis que le jeu, il triche. J'ai tellement peur. Bon. Une nouvelle salle. Je vais enlever celle-ci. Et elle a disparu. Et je vais la remplacer par celle-ci. Bon. Mais... Et allons-y, allons-y. Si je pourrais quitter la table. Le vent, il me mène vers où maintenant? Petit vent. La salle que je n'ai posée est supposée être juste ici. Mais il n'y a pas de vent qui l'amène là. Oh my god. Hey, je suis déjà allé là. J'ai pas mis la bonne salle. Ah! C'est la salle en haut qu'il faut que j'aille. Fait qu'il faut que je pose. Ben, cette plaque à l'étage. C'est tout simple. J'ai trouvé une lettre. Ah, je l'ai pas eu. Au départ, je me lamentais après... Voyons. Voyons. Je peux-tu lire? Au départ, je me lamentais après que les rituels d'octobre aient échoué. Cependant, quelques mois plus tard, je tournais le dos à une statue que je pensais vide et morte. Et l'esprit à l'intérieur s'est manifesté. Ah merde. Je tourne le dos à une statue qui me tuait en ce moment.
Bon. Je vais enlever celui-ci. Le jeu il bug. Et mettre celle-là comme ça. Bon, on est fou dans les énigmes, les amis. On est parti dans les énigmes. Attends. Quelqu'un qui la mettait là. La porte d'entrée, c'était celle-là. Il faut maintenant que je mette comme ça. Bon. On va commencer à se laisser pour l'épisode 2 de Craven Manor. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, mettez un pouce vert. J'allais dire sinon mettez un pouce rouge, mais s'il vous plaît, non. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Au pire, laissez faire. Abonnez-vous si vous avez vraiment, vraiment apprécié. Et on se laisse pour la prochaine épisode de Craven Manor. Bye!